この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Virtual Racing sur Saturn. Cette fois-ci, on avait fait la version 32X il y a quand même pas mal de temps. Et on va donc découvrir ce jeu dans sa version 32 bits. On va dire full 32 bits dans le sens où voilà, c'est une console de nouvelle génération, on n'est pas dans un hybride avec la, comme il y avait la Mega CD ou 32X. On va voir directement les options. Donc dans les options, on peut choisir le mode One Player, le mode Watch Mode. Watch Mode, c'est un mode qui permet de voir un peu la course et les caméras. On a le mode One Player, on a la difficulté, donc on va la garder en... on va la mettre en Medium. Ensuite, on a dans les options le contrôleur, donc on peut choisir la maniabilité. On a le Sound Test, Custom Game, on peut faire un jeu... on peut modifier certains paramètres, notamment les kilomètres en KPH, rotationner le radar, les backgrounds, handicap, on, etc. Grand Prix Background, Arcade Background. On va garder Grand Prix Background. On va revenir en arrière. View Track, et on peut faire Record. Donc on va ressortir là. Et j'ai commencé par le mode Practice, simplement pour vous montrer un petit peu tous les modèles disponibles dans le jeu. Et donc, au niveau Practice, vous allez voir, on a quelques petits véhicules sympathiques. Et ne vous inquiétez pas, au niveau de la musique, c'est assez particulier. On a l'impression qu'il n'y a plus de son au bout d'un moment. Bah, c'est pareil, en fait, partout. Je pensais que c'était un bug, en fait, pas du tout. Alors, on a par exemple la F1, donc 700 chevaux, cette vitesse V12. Je rappelle que le jeu est sorti en 92, même si c'est la version 95, puisque c'est une version qui a été, on va dire, upgradée. Ensuite, on a un petit go-kart qui va jusqu'à 145 km/h, qui n'a que 30 chevaux, mais qui est maniabilité, qui est beaucoup plus simple. On a un coupé de 200 chevaux, qui va jusqu'à 300 km/h, 5 speed flat 6, au cours de la une Porsche, hein, vous l'avez compris, ça ressemble à une Porsche. Ensuite, on a une S160, donc c'est une formule... ouais, une formule de, pour les débutants, qui va, donc, va à 300 km/h et à 400 chevaux, donc c'est un moteur V8. Ensuite, on a une voiture prototype type Le Mans, du coup, avec, vous pouvez le voir, une Nissan, ça ressemble à une Nissan R33, enfin R33, je sais plus combien du Mans, enfin des années 89, au niveau des couleurs, mais on peut changer la couleur. Si je vais là, par exemple, que je change le team, je peux changer la couleur de la voiture. Et enfin, on retourne sur la F1. Alors, je vous propose de commencer avec le plus lent, en fait, c'est-à-dire avec le karting pour le début. On va faire donc automatique, on va choisir le team, donc là par exemple on va prendre le team Apex. On va passer donc à la suite, donc les circuits, alors on est en mode entraînement, donc pour l'instant on a beaucoup de circuits. Et vous allez voir que quand on va faire le mode arcade, on va en avoir beaucoup moins. Donc pour le moment, on a donc le circuit de Suffer Speedy Road, qui est un circuit plutôt simple hein, concrètement. On a le circuit de Diablo Canyon, on a le circuit de l'Acropolis, le circuit de Metropolis, donc là on est en ville. Pacific Coast, on a le Amazon Falls et le Suffer Speedo Oval. C'est quand même pas mal, mine de rien. On a Big Forest aussi, j'ai oublié d'en parler. On a le circuit Alpine, Bay Bridge, et je crois qu'on a enfin arrivé, on a fait le tour. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on va dire 12 circuits. Ce qui est un peu plus, il me semble, que la version 32X de l'époque. Voilà, donc quand même quelques rajouts, ils se sont pas abusés à rendre le jeu tel quel comme à l'époque, ça aurait été vraiment du foutage de gueule. Surtout que c'était un des jeux qui devait marquer un peu le passage à la nouvelle génération, donc Saturn, PlayStation, etc. C'est un jeu qui était exclusif à la console de Sega, hein, et non pas à la console PlayStation, je crois qu'il n'est pas sorti sur la PlayStation derrière. Donc c'est parti, donc on va changer le nombre de tours, on va mettre qu'un tour, c'est un tour pour montrer un petit peu. On va prendre par exemple le circuit Diablo Canyon, par exemple, voilà. On peut choisir si on a un drone, Arcade Drone, Grand Prix Drone, on va laisser par défaut.
Et on va faire start pour démarrer la course. Je ne mets qu'un tour parce que je ne sais pas comment sortir en fait une fois en course. J'ai beau faire start, mais en fait ça change rien. Et donc c'est parti. Et donc on est avec un karting sur le circuit de Cayenne. Donc on va pas aller très vite hein, évidemment. Et déjà je vous laisse admirer ces graphismes en trois dimensions qui sont ma foi... Bah pour moi ça reste quand même assez original. Par contre je me suis trompé, je suis allé au stand. Bah du coup ça me permet de vous montrer l'arrêt au stand en direct. Vous voyez c'est quand même super bien fait quoi. Ils ont vraiment cherché le souci du détail même si c'est du cubique. On voit vraiment tout. Et regardez, je peux repartir, je peux bouger dans les stands. Hein. Je suis pas en mode automatique. Donc on va essayer de rejoindre le Grand Prix du... Enfin le circuit, voilà. Donc ça c'est paradoxal parce qu'en général, bah, la ligne droite c'est une ligne droite quoi. Donc le fait de tirer tout droit, de se retrouver au stand sur le circuit, c'est quand même paradoxal. Mais bon. Donc là je vais prendre un peu de vitesse. On a plusieurs vues. On a une vue un petit peu plus éloignée. Je vais avoir une vue encore plus éloignée qui est celle-ci. Qui peut bugger d'ailleurs. Il faudra faire gaffe. Et on a une vue un petit peu en retrait. Et j'ai surtout une vue embarquée. Et c'est ça le cœur du jeu, enfin que je trouve vraiment exceptionnel. C'est que, regardez, on a une vue intérieure avec le volant en 3D, les mains en 3D. Franchement, en termes d'immersion, quand même, c'est quand même super, super bien fait. On avait déjà ça aussi sur la version 32X. Hein, à l'époque, j'avais souligné que c'était quand même bien fait. Je vais le redire à nouveau. Tout le monde n'a pas forcément vu la vidéo à l'époque sur ce jeu. On peut même sauter avec le karting. Là, on est bridé à 140 hein, pour un poil plus vite. On est en descente, donc ça va un poil plus vite, mais ça s'arrêtera là. Évidemment, si on prend notre véhicule, ça va aller beaucoup plus vite. Donc là, on va finir le tour. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Et vous vous rendez compte d'un truc que je trouve déjà plus ou moins dommage, c'est que les musiques, en fait, sont super courtes. Et je crois que le game over, c'est le game over le plus ridicule de ma vie. On va peut-être augmenter le son un petit peu du jeu, d'ailleurs, on va en profiter. Voilà, vous avez un peu plus de... On va refaire un mode practice, histoire de vous montrer un petit peu les différences des modèles, puisqu'après quand on sera en mode arcade, on pourra pas trop choisir. Je crois qu'on démarre avec la F1 d'ailleurs, dès la première course. Alors, je vais vous montrer. On va prendre un petit peu au-dessus. On va prendre le team... Team Saturn, tiens, et pourquoi pas. Évidemment, ils ont mis leur sponsor dans leur jeu, c'était très, très typique de Sega de faire ça. De mettre leur propre sponsor dans leur jeu alors que les gens avaient déjà acheté le jeu, ce qui était pas très... c'était pas logique, les gens ils allaient... Enfin... En même temps Namco faisait pareil aussi sur les jeux PlayStation, mais mettre les sponsors d'une console qu'on a déjà, c'est pour ça qu'on va en acheter une deuxième derrière, donc c'était un petit peu... bon. Voilà. On a l'Acropolis, je montre un circuit en ville parce que vous allez voir qu'il est pas présent il me semble en mode arcade, donc on va faire déjà ce qu'on n'a pas. Ça va vous montrer un petit peu la différence, surtout la différence de maniement. Et donc voilà, avec une petite petite voiture qui n'a pas d'aileron, hein, du coup, du coup, ça, il y aura un peu moins d'appui. Et là, on va essayer de freiner, voilà, hop, pour prendre bien l'angle droit. Là, c'est pareil, il y a un angle droit, il y a des petits sponsors Saturn sur le côté. Et voilà, et là, il n'y a plus de musique. C'est quand même dommage, je serais assez sympa qu'il y ait la musique en long et en large du circuit. Parce que ça rend le jeu un petit peu comment dire, un peu monotone. Alors il y a des checkpoints qui nous donnent de la musique, enfin qui nous rajoutent de la musique en plus de donner du temps. Mais à part ça, c'est vraiment austérité quoi, c'est quand même dommage. Le jeu est ultra fluide, alors vous l'aurez peut-être pas forcément parce que j'ai toujours l'habitude de streamer, enfin d'en streamer ou de mettre des vidéos à 30 fps. Mais là concrètement le 60 fps on y est à fond, hein. C'est vraiment une fluidité, vraiment pensez au mode... haute fidélité de Gran Turismo 1 et c'est la même chose sauf que c'est tout le jeu qui est comme ça. Elia s'est plantée toute seule. Et ce game over dans l'espace toujours vraiment. Alors j'aime pas trop, je l'aime pas trop hein, vraiment ce game over. Alors qu'on regardez, j'ai un mode replay si je veux. Je vais faire play ou quitter. On va faire quitter. Mais on peut revoir notre caméra. Donc là je vais mettre mon nom. Voilà, profitons-en. Et on a fait le meilleur tour, j'ai l'impression, non? Bah non, je me dis que j'ai fait un bon temps, en fait pas du tout. Quel temps j'ai fait? City, MD, Brit, Jage. Je sais pas quel temps j'ai fait, bon c'est pas grave. Ah mais je crois que c'est des temps sur 3 ou 4 tours. C'est pour ça que ça ne compte pas, parce que vous avez vu les temps en 5 minutes, c'est quand même des temps faciles à battre.
Je refais un practice, on va voir avec notre modèle. On aura fait le tour du jeu assez rapidement, vous allez le voir. On va prendre par exemple le prototype. On va prendre en noir, on va pas faire de la pub pour Nissan. Donc là on a le Pacific Coast, on a le Amazon Falls. J'ai pas souvent tenté les chutes de l'Amazon, mais... Oh si, on va le tenter, allez, pourquoi pas. J'ai essayé de vous montrer un petit peu quelques autres détails sympas, notamment la collision avec certains objets qui est présente dans ce jeu. Et regardez, là on est en vue embarquée. Alors normalement on n'est pas censé voir autour, hein, parce que ça est sous une vitre. Mais bon, là il nous l'affiche. On est à l'île de Pâques, j'ai l'impression. Donc je vais mettre la vue par défaut. Alors toujours, je le répète à chaque fois sur les jeux de Saturne, mais bon, c'est tellement inhérent à la Saturne, même si certains jeux arrivent à le faire. Toujours cet ombrage quadrillé, hein, c'est-à-dire pas d'effet de transparence quand il en fallait pas. Enfin, en tout cas, quand ils voulaient pas les éditeurs s'emmerder à la faire. Donc là, il n'y en a pas. Concrètement, on a des quadrillages sur l'ombre de la voiture. Je vais peut-être un peu trop vite, juste ralentir. Ah bah, de toute façon, on a déjà fini le tour. Bon, bah, c'était rapide. C'était super rapide. Bon, on va changer de voiture après, on va changer de circuit. Bon, en tout cas, c'était pas le circuit le plus difficile. Vu qu'on a déjà gagné. Donc là, on va changer de circuit de voiture. Je propose de prendre la Porsche par exemple. Je vais mettre deux tours. Histoire deux quand même. On va mettre la Porsche, on va changer la couleur, pas la boîte de vitesse. Ah, regardez un petit peu les couleurs Castrol. Ouais, je dis Castrol, mais bon, ça pourrait tout et n'importe quoi en fait. Mais bon, ça me tente. On va prendre Hayabusa, ouais. On va prendre le Team Gazelle. On va changer de circuit. Et on a le Surfer Speed Oval. Alors, ça c'est facile, hein, c'est un circuit, il n'y a pas beaucoup de virages. Bon, un circuit un peu plus compliqué. Là, on a par exemple, on a la forêt. Je sais pas, là on pourrait prendre Bay Bridge par exemple, c'est un circuit assez mythique celui-là, avec le pont. Alors finalement je vais parler du HUD, mais bon vous aurez compris la position actuelle, la vitesse en bas à gauche, le contour, on peut qu'une panne vraiment étudier à quand changer les vitesses, et aussi... Alors je vais montrer un petit détail, regardez. Ah, bon, c'est peut-être pas ici. Donc le nom du circuit en bas, le temps sur les côtés, et surtout la carte qui est super bien faite, puisque vous allez voir qu'en mode course, on verra tous les points de tous les joueurs en temps réel sur le circuit. Donc on saura où on en est. Regardez, là, je peux passer par là, je peux côté. Et regardez, je vais tomber sur l'arbre, et il y a une petite coconut qui est tombée. Ça c'est un petit détail que j'ai trouvé plutôt sympa à l'époque. Ils ont vraiment pensé à tout. Regardez ici, on va aller près des vaches. Et regardez, ils ont tous esquivé, je peux pas leur rentrer dedans. Mais même les vaches vont bouger à notre passage. Petit détail toujours, mais toujours détail sympathique, bien pensé. Et ici, regardez, ah, je l'ai pas fait, mais les poteaux, enfin les panneaux vont s'éclater si j'entre dedans. Voilà. Typiquement ici, voilà, gestion des dégâts, gestion des collisions, on est 20 sur 20. Meilleur jeu de l'année 95, vous l'aurez compris. Allez, je vais me reconcentrer. Et on va arriver pas loin du pont, justement, normalement, avec la remontée. On arrive sur le sort d'autoroute, et là ce pont ici. J'avais mis qu'un tour, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous aurais montré au moins un peu tout. Alors évidemment, tous les décors ont été refaits de cette manière. Pas forcément les circuits, mais surtout les bitmaps, tout ce qui est décor au-delà du circuit, donc le ciel, etc. Pour que ce soit un petit peu plus joli quand même. Même le menu, je crois, a été refait, il était pas comme ça. On va faire un mode... mode arcade, puisque de toute façon on a que ça, j'ai l'impression. Et mode arcade nous permettra de prendre la Formule 1, qui est normalement la voiture la plus rapide. Donc là on est dans la Big Forest, on est dans le Bay Bridge qu'on a fait tout à l'heure, on a le Acropolis et. Bon, enfin l'Acropolis, pourquoi pas. Ou le premier circuit, tiens, on va faire le premier circuit. Donc là on va choisir. Et je n'ai pas de choix, je ne peux pas choisir le type de véhicule que je vais utiliser, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça permet, ça oblige après à débloquer pour pouvoir passer à la suite. Et là typiquement je vais commencer avec la F1. Allez, on est en ressort des stands. Et c'est parti. Donc là on sort des stands, hein, concrètement.
Ce qui fait que le jeu nous fait sortir 9e, à peu près 10e. Et là, c'est parti! Et encore une fois, j'aurais voulu laisser la musique, mais c'était vraiment très très succinct. Un petit peu dommage. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Je vais quand même vous montrer. J'ai quand même vous montrer la vue, voilà, la vue intérieure. Qui est super rapide. On est parti en tête à cube parce qu'on a trop accéléré. On est parti dans l'herbe. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est un effet que j'avais beaucoup aimé à l'époque sur la version 32X. Et regardez les effets, on a même le parc d'attraction avec tout qui tourne en temps réel. Ça, c'est vraiment un détail que j'adore. C'est vraiment c'est des trucs des fois tout bêtes. Mais ça vaut le coup. Et ce qui est étonnant, regardez les couleurs des voitures devant. Elles sont toutes en violet quasiment. Toutes en violet. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de me concentrer. Je vais arrêter un petit peu de parler. Je vais laisser le jeu tourner le temps 2. Et on va essayer de, pourquoi pas, de gagner la course, tout simplement. Court mais intense. Donc là on en est à 3 tours. Aïe, je vais taper. Normalement ça va perdre beaucoup de temps. Donc on a un checkpoint et des timers, donc on peut pas non plus rouler à 2 à l'heure. Il faut à chaque fois être rapide pour pas se faire éliminer qu'un game over. C'est toujours ce que je regrette un petit peu dans les jeux d'époque typés de l'arcade, c'est qu'il y avait ces timers en fait. Alors ça rendait le truc un peu plus difficile. Et on n'est pas sur une bande d'arcade, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion de je remets une pièce à chaque fois et je donne de l'argent à. Mec qui gère la box ou éditeur, là c'est vraiment j'achète le jeu, c'est fini quoi. D'ailleurs vous vous rendez compte que maintenant dans le milieu du jeu vidéo, le principe timer dans les jeux de course a quasiment disparu. Alors il y a eu un jeu de rallye qui est sorti je crois il y a à peu près un an maintenant, qui reprend ce type de graphisme ultra simpliste, genre je sais plus comment il s'appelle. Je pense que vous allez trouver, si vous avez le nom, dites-le moi dans les commentaires. Qui reprend en fait les anciennes voitures de rallye. Et en fait, on fait les spéciales de rallye avec ce genre de graphisme. Bon, certes, il y a quelques effets graphiques qui fait que ça rend beaucoup mieux, mais c'est un peu le même délire. Et vraiment, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer. J'ai jamais joué encore. Peut-être qu'un jour, on fera le test de ce jeu. On pourra faire B pour le replay, mais on va faire start. On a fini premier. Alors ça bug un petit peu, j'avais pas parlé mais le jeu donc c'était moins interactive. Voilà, bon c'est une version particulière, en tout cas pour ce jeu. Donc je peux encore mettre mon score évidemment. Et regardez ce qui est assez drôle, c'est que tant que je fais quelque chose, le décompte il bouge pas. C'est-à-dire concrètement je peux prendre mon temps. Tant que je passe d'un endroit à un autre, regardez, ça va rester bloqué à 100. Si je relâche, le décompte continue. On va laisser notre temps. Et donc là on était en VR mode, hein, mais si je veux je peux essayer de faire le record en étant en vue cockpit. Vous voyez c'est pour ça qu'on a un mode VR sur le côté. Allez on va prendre un autre circuit et puis je pense que bah, de toute façon on va s'arrêter là. On va faire donc le mode arcade toujours. J'ai quand même monté le mode Grand Prix qui est un petit peu plus long par contre. Tant qu'à faire. Là il y aura beaucoup plus de tours, je sais pas combien de tours il y a exactement. On va essayer de faire une course entière. Donc là on est un pont, donc round 1, donc c'est j'ai pas le choix concrètement. On a 0 points, on est 16ème et on va commencer donc avec un karting. Donc là par exemple on peut pas choisir. Je sais pas, new game. Donc là ce qui est bizarre c'est que je suis dans le round 1 mais je peux choisir quel circuit faire, donc si je veux je peux commencer par une autre course. Maintenant qu'on va faire, on va prendre le circuit qu'on n'a pas fait avant. Ça au moins. On aura tout vu. Le Pacific Coast, on va prendre. Gearbox et la team. Donc là, je suis avec le karting.
On va mettre le karting, bah pourquoi pas en rouge et blanc. Voilà, on va mettre notre pseudo et on va démarrer. Non, j'appelle Blackia. Et donc c'est parti. Donc là, on va faire une première course et vous allez voir, il y a pas mal de tours à faire. Ça va pas être une course de seulement 2, 4 ou même 6, ça va être beaucoup plus. Et c'est parti! Alors vraiment, je pourrais mettre une vue plus proche, encore, hein, dans genre celle-là. Mais je trouve que la vue comme ça est cool. Alors peut-être que pour le début, je vais faire ça. Mais regardez, ça rend le truc beaucoup plus compliqué d'un coup. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez jouer au jeu, vous ferez évidemment selon vos préférences. Allez, on va essayer de doubler tout le monde. Normalement, c'est pas censé être compliqué pour le moment. Je me demande en fait si on va pas faire tous les types de voitures sur tout type de circuit. Et ça nous fera finir le jeu entièrement. C'est-à-dire commencer avec celle-là, après une voiture, un véhicule un peu plus rapide sur un circuit et ainsi de suite. Donc, si vous êtes malin, je pense que vous utilisez la F1 sur un circuit qui est le plus facile que à la fin dans le circuit le plus compliqué. Mais je sais pas si on aura le choix, on va voir. Je crois qu'on loupé. Limite, il aurait fallu qu'on me rentre dedans pour me faire gagner de la vitesse. Alors, je vais pas rentrer au centre, ça ne sert à rien. Mais peut-être que rentrer au centre va servir si j'ai trop de dégâts. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette musique de Checkpoint, particulièrement celle-là, me fait penser en fait à une des musiques que l'on a quand on fait la Mayotte Line à Tokyo. Faut savoir que chaque station, enfin chaque bout de station, pas toutes les stations, mais il y a des groupements de stations qui ont un bruit d'arrivée en fait différent quand on arrive en gare. Et il y a certaines musiques qui ressemblent un petit peu à ça. En tout cas, le début de la musique ressemble un tout petit peu à ça. Pour l'instant, je suis 5, je m'en sors bien. Donc voilà pour la petite anecdote. Et ça permet d'ailleurs aux gens qui. Des fois, qui peuvent. Aux gens qui ne verraient pas par exemple où on en est, de se reconnaître un peu. De reconnaître à part la musique un petit peu où on en est sur la Yamanote Line. Je rappelle que Yamanote Line, c'est en fait une ligne de train dans Tokyo qui fait le tour en fait, complètement. Mais le tour centre, mais plutôt passé au centre. Hein. Dans le centre, on fait le tour du centre. Ce serait, on va dire, la petite couronne, on va dire, de Paris, si vous préférez. Voilà, donc pour la Légion. En les cinquièmes, on va essayer de les rattraper. Bon, le son des véhicules est pas exceptionnel. Par contre, vous remarquez qu'il y a pas mal les petits effets sonores, l'effet de dérapage, quelques effets de choc, quelques effets quand on passe devant certains véhicules. Vous n'avez pas fait attention peut-être tout à l'heure, mais quand on a testé la F1, quand on passe en fait pas loin d'une Formule 1, il y a le petit bruit de fond comme ça qui se crée. Voilà, c'est des petits détails légers, mais qui font son petit effet en tout cas pour l'époque. Voilà, j'ai perdu un peu de temps. On tour 3, je ne sais pas combien de tours on a à faire. J'espère qu'il n'y en aura pas 40 non plus, mais normalement au maximum je crois que c'est 12 tours, quelque chose comme ça. Bon, vous allez voir, ce qui est drôle, c'est qu'il affiche les temps autour à chaque fois sur le HUD. Donc je vous laisse imaginer, s'il y avait 50 tours, quel serait l'écran à la fin. En fait, vous pourrez même pas voir le karting. Allez, changer de vue, histoire de faire un peu plaisir, voilà. On va essayer d'anticiper. Oh là là, l'anticipation à 30 francs et... Alors, on va arriver dans la petite épingle. Alors je peux freiner bien sûr, hein. Je le fais rarement parce qu'on voit pas quand je freine, mais je peux freiner. Et ce qui m'énerve un petit peu avec ce jeu, c'est de voir le mot VR partout, parce que pour nous maintenant VR c'est quoi? C'est pas du racing. VR c'est la réalité virtuelle avec le casque. Et d'ailleurs je pense que c'est le style de jeu en VR qui doit vraiment vraiment être sympa. Parce qu'il faut savoir qu'avec la VR, à l'heure actuelle, en tout cas, où les casques pour l'instant, même s'ils ont été améliorés au moment où je parle, ont tendance quand même à rendre un peu le décor un peu flou, un peu pixelisé, parce qu'il n'y a pas de définition encore exceptionnelle.
Même si c'est en train d'être corrigé maintenant. Hein. Et du coup, les jeux qui fourmillent de détails, en fait, bah, rendent pas très bien. Alors qu'un jeu qui est très peu détaillé, bah, comme celui-là par exemple, ou avec des couleurs chatoyantes, pas trop de nivellation de couleurs, bah, rendent beaucoup mieux et on est beaucoup plus immergé. C'est pour ça que je dis que ce jeu en VR pourrait être sympa. Allez, on est troisième. On va essayer de rattraper les deux devant. Je ne sais pas s'il faut gagner pour passer à la suite. On va voir, tout simplement. Je sais pas combien de tours il y aura à faire, donc. Pourtant, c'est pas un circuit très compliqué et j'arrive pas non plus à gagner pour autant. Ah oui, il y a peut-être effet de saut et tout. C'est le truc tout réussi. Après, au niveau du monument, il n'y a aucune autre chose à faire qu'accélérer, freiner, tourner. Il n'y a pas d'autres options. Alors, on pourrait peut-être rentrer au stand, mais je ne sens pas l'intérêt de le faire, si ce n'est peut-être pour changer les gommes, à voir. Aïe aïe aïe, c'est dommage. J'ai planté le deuxième. Je trouve que je suis un saut, c'est même pas le deuxième, hein. C'est un pilote à un tour. Ouais, voilà, vraiment déçu pour les musiques. Qui aurait pu vraiment être sympa de l'avoir en long travers parce que c'est un jeu qui se veut entraînant avec de la vitesse, etc. Et là, bon, bah ça casse un peu le délire, c'est un peu dommage. Ça va être un des seuls reproches, je pense, que je vais donner à ce jeu parce que même pour 95, ça reste un jeu vraiment marrant. Il y a peut-être si quelques configurations pour le mode Grand Prix, et pourquoi pas pouvoir se créer son propre championnat, ça aurait pu être sympa avec un petit classement. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait lui vouloir de pas très bien et ce qu'on aurait voulu améliorer. Et je me rends compte que même l'affichage avec le hiking sur le panneau d'affichage, il est en trois dimensions. Ils sont vraiment allés jusqu'au bout, hein, réellement. Alors je me demande si j'ai peut-être pas les gommes un peu détruites à voir. Je pourrais m'arrêter au stand. Hein. Que je devrais le faire d'ailleurs. Je sais pas s'il y a une gestion du jour des pneus, ça m'étonnerait quand même, mais bon. Je me dis que si on peut faire un arrow stand, c'est que ça doit avoir un intérêt quelque part. Pourtant, j'ai toujours aussi vite. Alors, est-ce qu'on va rattraper un retardataire ou est-ce qu'on va rattraper le deuxième? Ben, c'était un retardataire, vous voyez. Vraiment que j'arrête de me prendre les murs surtout. On est au tour 7. Bon, bah, je pense qu'on est parti pour au moins. Ouais, je pense 12 tours. J'ai pas vu le niveau maximal du nombre de tours. Malheureusement, je perds du temps à chaque fois. Et la accélération, elle est quand même très très lente. Hein. Ah, je fais n'importe quoi surtout. En plus, on a même perdu une place. On est quatrième. Je sais plus si on était quatrième ou troisième, j'ai déjà oublié. Attention, il y a Luigi sur le côté. On va essayer de redépasser. Légèrement dévié sur l'intérieur. Alors je pense que là, si j'avais mis par exemple la boîte manuelle, j'aurais pu aller plus vite parce que j'aurais pu baisser ma vitesse et réaccélérer plus fort. C'est toujours l'avantage dans ce genre de jeu, c'est de privilégier la boîte manuelle hein, pour aller plus vite que la boîte automatique. Alors quelque chose me dit que je n'attraperai jamais le troisième. Il suffit que je dise ça pour le rattraper, bon. Bon, regardez le gouffre qu'il y a devant sur le circuit entre lui et les autres. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a pris notre vitesse de croisière, bah, c'est d'un coup un peu plus simple de la garder. Du coup on revient assez vite.
Il faut réussir à vraiment pas perdre cette vitesse parce que pour la reprendre derrière, c'est vraiment calamité. Là, par exemple, j'en ai un peu perdu, mais ça devrait aller. Ah, c'est bon, cette fois-ci je l'ai bien pris. Du coup, je conserve ma vitesse. Alors, pour l'instant, on est sur le podium, ce qui est bien. Je sais pas si je dois gagner d'ailleurs pour débloquer quelque chose, peut-être, ou passer à la suite. Et c'est le dernier tour, donc il y avait 10 tours à faire. Au moins, vous le savez. Parce que je vais pouvoir gagner une place dans ce dernier tour. Je vais pas faire trop d'erreurs. Je pense que le second et le premier sont vraiment, vraiment, vraiment trop loin. Voilà. Alors vous remarquerez que la caméra tourne autour de l'axe du véhicule aussi. C'est vraiment ça qui gère la caméra. Ah, je pensais pouvoir doubler un retardataire, le deuxième, mais en fait non. C'est dans la ligne droite. Et non, troisième. Donc il y avait bien 10 tours à faire, et je pense que ce sera le maximum. Hein. Bon, on va valider notre troisième place, c'est très très bien. Je sais pas ce qui se passe maintenant. Est-ce que on va gagner quelque chose? Est-ce qu'on va débloquer un circuit? Est-ce qu'il fallait finir premier? Notre save, voilà. Donc on est au round 1, j'ai 4 points. Donc peut-être qu'en fait le championnat il va commencer sur seulement karting, puis après le second championnat sur une autre voiture, etc. Parce que c'était simplement ça le principe du jeu, hein, concrètement. Je ne suis jamais allé plus loin que ça. Donc voilà. Mais écoutez, on va cesser là-dessus. C'était Virtual Racing, la version Sega Saturn. Bien mieux évidemment que la version 32X, mais bon, ça paraît un minimum de logique et surtout obligatoire pour faire un jeu correct. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!